métier parce qu'il y a c'est un métier polyvalent et aussi manuel. Chaque jour, on n'a pas forcément le même travail à faire et je trouve ça très intéressant. Le métier m'est venu, en fait, on a décoré quand on était petit notre maison. J'avais oublié, on va dire, les effets du métier. Et puis quand j'en ai parlé à ma mère que je voulais être peintre, elle m'a dit « Ah ben enfin hein !» J'ai participé au World Skills parce que c'est pour le côté compétition et aussi pour l'apprentissage. On ne fait pas forcément tout ce qui est logo ou papier à raccord et tout, quoi. Ce qui me plaît, c'est la créativité, la finition, c'est une passion, j'adore ça. Voir les formes qu'on peut faire avec des carrelages alors qu'à la base c'est carré, et on peut faire comme là, on peut faire des guignols, on peut faire plein de trucs avec des carrelages. C'est ce qui me plaît, on peut faire de la mosaïque, on peut faire plein de choses. J'ai comme pour un projet de créer mon entreprise de carreleur maçonnerie. En attendant, je continue mes formations pour être à un bon niveau. En tant que présidente des CFA, c'est vraiment un plaisir d'accueillir ces épreuves dans nos centres parce que c'est ici qu'on forme les jeunes, c'est ici qu'on leur donne les bases et en tout cas les aptitudes nécessaires pour être de bons apprentis en entreprise. Et donc c'est là qu'ils découvrent le métier et on espère en faire des passionnés. Donc aujourd'hui, au-delà des épreuves, on est ravis aussi d'accueillir du grand public pour faire découvrir tout simplement ces métiers parce qu'on a besoin de jeunes pour les rentrées à venir parce que nos entreprises sont constamment en recherche de nouveaux talents. Ce qui me plaît dans la couverture, c'est il y a plein de choses. L'ardoise, il y a le métal. C'est une passion parce que j'ai besoin de faire ça presque tous les jours. Je dois faire ça et je me sens bien quand je le fais et voilà. J'ai voulu participer au World Skills, c'était pour faire voir mon métier déjà, parce qu'on ne montre pas assez les métiers du bâtiment et l'apprentissage surtout, on ne montre plus assez l'apprentissage. C'est en train de changer, donc j'ai voulu participer au changement, on va dire. Voilà. Et puis je voulais surtout faire voir aussi ce que je savais faire.